toujours à la rubrique des déclarations de députés. Je cède maintenant la parole à Monsieur le député de Mercier. Merci, Madame la Présidente. Je veux souhaiter longue vie à la maison des Amis du Plateau Mont-Royal qui fête son 30e anniversaire et rendre hommage à son équipe dévouée. Cet organisme offre aux Montréalais qui sont de plus en plus aux prises avec les difficultés de l'exclusion sociale, des services, une aide et un réconfort qui sont souvent salvateurs après une nuit passée dans le froid de la rue ou l'insécurité d'un toit ou d'une vie précaire. La Maison des Amis, c'est des repas, 6 jours sur 7, c'est une friperie, c'est bien des services souvent personnalisés, offerts toujours dans la dignité pour donner confiance et des forces pour se remettre sur rail. Mais malheureusement, l'austérité frappe le monde ordinaire pour épargner les privilèges accordés à ceux qui ont déjà tout. Donc, plus de 2 millions de dollars ont été encore coupés dans le programme Passe Action, ce qui plonge la Maison des Amis dans l'incertitude. Qu'arrivera-t-il aux 26 employés participants du programme en situation d'handicap physique ou intellectuel? C'est là une question qu'on peut se poser. Pour nous, l'investissement dans l'intégration, c'est un retour à la dignité pour notre population. Merci, Monsieur le député de Mercier.